L'ange numéro 51, Ahasya. Il régit du 3 au 7 décembre. Il est l'ange de la médecine universelle. Avec son énergie, on comprend que la guérison de nos blessures et difficultés passe avant tout par la compréhension du négatif, de son origine, son rôle, pour pouvoir le transformer avec les bonnes connaissances. Il nous aide à diagnostiquer les maux de notre âme, tout en nous donnant les clés pour mieux les guérir. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Médecine universelle. Reliée à toutes les professions médicales. Médecine, soins, infirmiers, ensemble des thérapies, neurobiologie, neurotechnologie, etc. Capacité de compréhension globale et multidimensionnelle. Permet de déceler et d'identifier la cause des maux. Grand guérisseur. Porteur de remèdes universels, conduit vers la guérison véritable qui touche tous les plans. Bonté infinie, service inconditionnel. Accorde la pierre philosophale. Patron de la haute science. Donne accès à la vérité qui permet de comprendre la dynamique de l'univers. Expert en connaissances ésotériques. La cabale, l'alchimie, métaphysique, etc. Véritable mage, âme élevée. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Médecine qui se limite à traiter les symptômes et les douleurs physiques sans chercher à découvrir et à comprendre les causes profondes des maladies, ou charlatans et pseudothérapeutes qui profitent de la naïveté et de l'ignorance des gens. Enjôleurs, trompeurs, manipulateur, abusant de la bonne foi des autres. Manque de connaissances et de conscience spirituelle dans le milieu des professions médicales. Utilise la médecine uniquement pour s'enrichir matériellement. Recherche de pouvoir, ambition. Victime d'escroquerie. Illusion. Science sans conscience.
nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Charlatan. Compréhension. Compréhension en général. Les lombaires. Médecine. Opération chirurgicale. Ulcère. Vertèbre. Douce pensée angélique.